Hey yo, hello to you. Hey! Salutations à vous et merci. Il ne reste plus que 10 minutes, j'ai envie de dire. 10 minutes à tout casser pour, pour clôturer ma journée. Hein. Le premier carrément, avril. Salutations à toi, Marc. Comment vas-tu? Eh ben, juste un petit live, un remerciement pour tous ceux-là qui ont pensé à moi au jour d'aujourd'hui, puisque c'est mon jour. J'ai envie de dire, c'est fut mon jour carrément. Dans 10 minutes, hein, à tout casser dans 10 minutes, tout sera ok, nous serons les deux. Malheureusement, je n'ai pas eu, on va dire, hein, le temps de m'enjailler comme il me faut. Mais je me suis dit, pourquoi ne pas, on va dire, sacrifier cette journée pour rattraper certainement samedi, les samedis en 8, hein, pour essayer de m'enjailler, quoi. Mais sinon, l'essentiel a été de tonnes de messages que j'ai réussi aujourd'hui. Je m'en suis excusé dans 2-3 stories, mais pour clôturer, on va dire, en beauté cette journée, un live s'impose. Sinon, dis-moi, comment vas-tu? Est-ce tout va bien chez toi? Est-ce tout va bien? Pour tous ceux-là qui ne le sauront pas et qui ne le savent pas, aujourd'hui, c'est mon jour. Je suis né le 1er avril, carrément, d'une certaine année, bien évidemment. Eh ben, beaucoup ont pensé que c'est fut un poisson d'avril, comme on a l'habitude, on va dire, hein, de blaguer un tout petit peu la réputation, je viens de dire, de cette journée. Eh ben non, je suis bel et bien né aujourd'hui. Donc voilà, quoi. Karim, sois le bienvenu sur le live. Merci à toi, Karim. Joyeux anniversaire. Merci à toi, Mac. Joyeux anniversaire. Merci, le gars. Ça me va droit au cœur. Eh ben, comme je l'ai dit dans l'une de mes stories, hein, j'étais débordé par le boulot. Tout le monde s'est étonné d'ailleurs. Enfin, la majeure partie de personnes qui m'ont posé la question, mais t'es où en ce moment? Lorsque je leur ai dit que je suis au boulot, ils se sont dit, waouh, c'est ton anniversaire, tu travailles. Eh ben, je n'ai pas trop le choix. Hein, je n'ai pas trop eu le choix. Il a fallu que je charbonne. Alors, je remis ça simplement à une autre journée pour mieux m'enjailler, quoi. Mes likes, s'il vous plaît, ce sera quelque chose de bien et de bon à la fois. Comment allez-vous? Est-ce que ça va chez vous? Est-ce que tout va bien chez vous? Dites-moi tout. Est-ce que tout est carré chez vous? Dabro Pajolovat, Anastasia. Как у тебя дела? Все нормально? Tu bois comme boisson. Eh ben, c'est un jus. Enfin, j'ai envie de dire la citronnade. Hein. C'est un jus de citron. Une citronnade tranquille. Après le fort vient le réconfort carrément. Donc voilà. Et sinon, ta journée s'est bien passée? Qu'as-tu fait de bon ou de bien aujourd'hui? Как настроение, Анастасия? Как настроение? Все хорошо? Все нормально? Как у тебя дела? Говори, пиши. Если можно, даже отправь вот предложение, я тебе забираю на какой-то прямом эфире, мы поговорим побыстренько, если ты хочешь. Да, приятного аппетита, хорошее, не день рождения, как, ага, дела хорошо. Но спасибо тебе, спасибо. Но я пью, я не кушаю, но пью. Но все равно спасибо. Дела у меня тоже хорошие. Что ты занималась сегодня? Все, как день прошел? Все нормально было? Eh ben, Karim, tu peux participer à la conversation, hein? Toi qui maîtrises le russe. Hein? Va falloir que tu écrives un truc là, pour qu'Anastasia lise. Hein? Ce sera quelque chose de bien aussi. Hein? Est-ce que tout va bien? Dites-moi tout.
Dites-moi tout, dites-moi tout. J'ai une petite manie. À chaque fois que je prends la citronnade, je me dois impérativement d'ajouter un tout petit peu de sel. Parce que ça me plaît autant. J'ajoute un tout petit peu de sel. Voilà, de cette façon-ci. Oh là 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 là, kaif. Fabrice Kalash, sois le bienvenu sur le live. Comment vas-tu? Est-ce que tout va bien? Eh ben, ce live est dédié, j'ai envie de dire, à ma personne. Aujourd'hui, c'est mon jour, c'est mon anniversaire. Donc, je passe le temps, pratiquement une vingtaine de minutes avec vous. Et puis, ce sera carré. Eh ben, savoir, la vidéo s'y retrouve, mine de rien, sur YouTube juste après. Donc, voilà, quoi. Moi, je suis en vacances de Pâques, enfin, un peu de repos. Ah, je t'envie, c'est très bien. Je t'envie, frère, je t'envie. J'ai tant besoin de vacances, j'ai tant besoin de, voilà, quoi, de me prélasser dans une ville où il fera très, très chaud. Parce que le soleil, j'ai envie de dire, hein, ni kawatet, sonce ni kawatet, yakacho. Mouah. Kudani bout. Я рада, что настроение у тебя хорошее. Да, у меня настроение отлично просто. Отлично. Отлично настроение. И за вас тоже. За вас тоже, за все сообщение, которое я получил сегодня. Сегодняшний день был только в восторге для меня. Прекрасно, прекрасно. Больше всего за сообщения, за позитив, который много людей они прислали, бросали вот на меня. Это кайф только было. Просто кайф. И они очень далеко они живут. А все, которые живут здесь, они немножко, более-менее, могу сказать, мне пофиг. Самый главный — это люди, которые тянут, понимаешь? О, Дина, привет! Добро пожаловать на прямом эфире. Как у тебя дела? Все нормально? Je suis content, car ces derniers temps, j'ai commencé beaucoup à fatiguer après l'effort, le réconfort. Bien évidemment, bien sûr, totalement. Tu as totalement raison, frère. Totalement. Après le force et le réconfort, raison pour laquelle je suis en train de me pavaner avec ça, une limonade tranquille, hein, une citronnade tranquille carrément, ça me fait du bien. Ivan, sois le bienvenu sur le live, hein, sois le bienvenu sur le live. C'est ma journée, on va dire, hein, c'est fut ma journée puisque il ne restait plus que 3 minutes, hein. Всего остались 3 минуты, чтобы мой день был мусор, в мусор. Поэтому в прямом эфире я себе сказал обязательно сегодня после работы, но с работы даже подумал об этом. Stories очень много тоже сделал. Поставите сердце, пожалуйста, вниз направо. Есть сердечко. Поставите. Это будет только приятно для меня. Пожалуйста, просто ты сам на позитив всегда. Вот такие и... Окей. Да, конечно. У меня всегда позитив. У меня всегда настроение прекрасно. Я себя не дам на обиду, на что-нибудь. Очень плохо. Не люблю вообще. Люблю всегда позитив, сохранять это, поцеловать позитив, ласковый позитив. А ты же знаешь? Салют, grand frère, est-ce que les frontières de la Russie sont ouvertes maintenant? Mes frères, s'il te plaît, souhaite-moi d'abord un joyeux anniversaire, comme ça je te réponds. Ah voilà, j'ai parlé trop vite. Une fois joyeux anniversaire à vous encore. Merci bien. Et ben jusqu'à maintenant pour me répéter, c'est pas encore ouvert, hein.
Les frontières sont toujours verrouillées, barricadées. Et ben, pour certains, j'ai envie de dire, hein, pays, c'est ouvert. Mais jusqu'à maintenant, là, le pays d'Afrique, c'est toujours fermé pour, voilà, quoi, pour tous ces pays-là. Il va falloir attendre peut-être mi-avril, soit Kanté avril, hein, si vous dites Akreta, Naverna, Yataknadeus, Toja. Вот такие дела. А что нового у вас? Расскажите, пишите что-нибудь. Не поговорим по-доброму. Не поговорим как надо. Как у нас говорят, ambiance bon enfant. Вы не понимаете, наверное. Много людей... удивлялись, которые знакомы. Ты на работе? Почему это твой день рождения? Ну что, у меня все равно, все равно. Все равно, все равно. Так, попал сегодня на мой день. Я себе сказал, почему нет, надо работать же. Всегда money нужно. Money надо, поэтому надо стремиться как надо. Угу. Когда выход вот собираешь. Ну, завтра я не работаю, слава богу. Я за один день не работаю, буду дома, немножко отдохну чуть-чуть, потому что сегодня до кера я работал. Actuellement, tes sources de revenus sont tes business ou ton travail de salaire. Eh ben, un peu les deux, hein, un peu les deux, mais beaucoup plus, on va dire, hein, le gain de chaque mois carrément, hein, le boulot normal. Jusque maintenant, hein, j'ai voulu lancer le troisième, on va dire, business, mais tellement que les frontières sont toujours verrouillées, je me suis dit, bon, on va essayer un peu d'économiser le risque, de minimaliser un tout petit peu, de mieux, on va dire, hein, cajoler ça. Peut-être fin avril, hein, je pourrais relancer, on va dire, un autre business. Mais sinon, je me focalise plus, hein, sur le travail, raison pour laquelle je n'ai pas assez de temps. Je n'ai plus suffisamment de temps. Voilà, quoi. Donc, это мой день рождения. Пожалуйста, поставите много сердца, что-нибудь. Я хочу смотреть, увидеть, что летает вот это сердечко. Пожалуйста, поставите очень много сердца. Вниз направо. Много. Хочу, как маленький хочуха. Спасибо. У-лу-лу. У-лу-лу, такой кайф. Ну, спасибо вам. Спасибо, вижу. О, отправляйте мне сердечко. Я хочу увидеть только красный сердце. Красный. Отправляйте, пожалуйста. Du coup, pour tes business, tu as créé une société où tu as utilisé une autre forme juridique. Eh ben, je suis en voie, on va dire. Je ne veux pas non plus tout déballer comme ça, là, mais je suis en voie. C'est tout un processus ici, là. C'est tout un processus, mais je me suis mis, tu sais, là, un mois. Jusque-là, bon, ça va très bien, on va dire, hein. Ça semble aller, j'ai envie de dire. Mais ce sera concrétisé certainement à la fin du mois d'avril, certainement. Soit début mai ou juin, ça dépendra. Ça dépendra de la réouverture des frontières. Eh ben, tout dépend de ça actuellement, hein. Donc, voilà, quoi. Mais sinon, avec le business du piment, ça évolue quand même, ça évolue. J'ai estompé pour un certain moment, mais je pense déjà d'ici le 15, le 20, voilà, quoi, ce sera encore meilleur, ce sera encore bon. Donc, voilà, quoi. Mais sinon, de ton côté, ton apprentissage, se passe bien, est-ce que tout va bien? Только три человека сегодня, это мало. Пожалуйста, отправляйте мне сердечко. Хочу, как маленький хочуха. Хочу, сердечко, красное сердечко. Отправляйте, хочется увидеть. J'ai entendu dire que en Russie,
Tu peux payer 48% d'impôts, tout comme seulement 6% d'impôts selon le business. Est-ce vrai? Ah, bien sûr, hein. Tout dépend de ton domaine, on va dire, de compétences, hein, et surtout de l'allure, hein, de l'allure de ton business, en fait, hein. Ça dépend de ton champ d'action, quelle sorte de business, et un tout petit peu, ils verront au fur et à mesure, hein, l'ampleur que prendra le business en question. Mais à savoir, pour les impôts, c'est minimalisé ici, là. C'est trop minime. C'est vraiment minime. D'où, on va dire, hein, la forte influence sur le business, le e-commerce, tout ça là. Pourquoi? Parce que les impôts sont bien bas ici, là, en Russie. Donc voilà, je t'apprends rien, tu maîtrises déjà le sujet, mais là, il y a une certaine différence simplement, hein, pour les étrangers, hein, qui évoluent dans des sociétés privées ou officielles ici, là. Et ben, à la source, hein, les impôts et taxes retiennent carrément 30% de l'air dû tout le mois, ce qui est un peu triste quand on n'a pas une nationalité, enfin la nationalité russe. Quand on est étranger, c'est un tout petit peu, on va dire, 30%, et puis toi, tu bénéficies des 70% de ton dû tranquille, quoi. Mais moi, je pense nécessairement qu'il faut payer pour, voilà quoi, s'acquitter de n'importe quel problème, quoi. Oh, lourd, lourd, lourd. Merci à vous, hein. Merci à tous ceux-là qui ont pensé à moi aujourd'hui, hein. Vous qui êtes connectés, vous qui êtes en ligne, je suis comme un ouf. Merci à vous. Je suis vraiment, alors vraiment très content, très heureux à la fois. Donc voilà, merci à vous énormément, alors énormément. Je suis comme un ouf. Je suis comme un ouf, je vous dis. Je vous dis pas grande est ma joie de vous avoir. Même ces deux personnes, ces trois, ces quatre, autant que vous êtes, c'est normal, c'est normal. Je te pioche. Biapiu. Короче, вода с лимоном. Вот такой. Немножко соли тоже есть. Prince, salutations à toi, sois le bienvenu. Comment vas-tu? Est-ce que tout va bien chez toi? Est-ce que tout est carré chez toi? Eh ben, souhaite-moi un joyeux anniversaire, hein. J'ai vu déjà, on va dire, ton commentaire sur l'une de mes publications, mais souhaite-moi encore en ligne. Ce serait quelque chose de bien. Donc voilà quoi. C'est mon génial grand frère. Merci à toi. Du coup, tu comptes nous parler de ton deuxième business, mis à part Piment Chili? Eh ben, j'en parlerai au prochain, j'ai envie de dire, hein, au prochain live carrément que je ferai, spécial YouTube, hein. Puisque le grand problème que j'ai connu sur YouTube est lequel? Apparemment, hein, apparemment, j'ai posté une vidéo qui a été censurée deux fois de suite. Que YouTube n'a pas, on va dire, hein, eu l'obligeance de m'informer de ça. Et ben, tellement que j'ai passé également un laps de temps, je ne vérifiais en tout cas rien. Je pense, hein, le mois passé carrément, je réussis, hein, quelque chose, hein, l'argent carrément YouTube sur mon compte. Après ça, mon compte a été bloqué. J'ai essayé un peu de voir, hein, le voisin moyen pour essayer de décompter la situation, mais on dira il faudra attendre la fin de mois de mars. Je me suis dit ok, c'est bon, je m'incline, je vais attendre, je vais patienter normalement. Arrivé là, je me suis dit pourquoi ne pas écrire à YouTube, hein, pour voilà quoi, pour solutionner ces problèmes. J'ai écrit à YouTube et on a repoussé cela à la fin de mois d'avril carrément. Et c'est ce qui a empêché, on va dire, hein, l'utilisation du, enfin l'usage carrément du live avec téléphone sur YouTube. Mais sinon, publication actuellement, je suis en même de publier, je suis en même de télécharger de vidéos, ce qui est important. Mais déjà, comme pour répondre à ta question, je pense au prochain carrément live, je le ferai. Donc ce sera bon. Patché, limonade, non, ni savsiem. Da, ni savsiem. Non, patché. Non, patché, da, точно. Да, после такая работа, надо. Меня всегда лимон, всегда в холодильнике.
всегда есть, всегда есть, потому что я люблю, мне очень нравится. Когда есть, о, я спокойно, я совсем спокоен. Расскажите что-нибудь, семья. Если нет, если вы мочите, я могу перестать. Eh ben, je pense que tout est carré chez vous, hein. Dites-moi quoi, et puis ce sera carré, hein. Dites-moi quoi. Ivada, vada, всегда рядом, вода. Так надо, надо пьешь, надо пить. Ты пьешь много, знаю, я тоже очень. За вас. Вау. Конечно. О, принц, ты parles déjà russe, hein? C'est bien, je t'en félicite, hein? C'est lourd, hein? C'est lourd, frère, c'est lourd. C'est lourd. Oh, tranquille, tranquille, je suis comme un ouf, carrément, je suis comme un ouf. Eh ben, family, je vais devoir m'arrêter là, hein. Je promis une vingtaine de minutes, je pense qu'on a dépassé carrément le cap, hein. Donc 20 minutes carrées, je vais devoir me reposer après, après l'effort, c'est le réconfort. Je dois impérativement dodo un tout petit peu. Мне надо спать, мне надо отдохнуть, поэтому я вас оставлю спокой. Спокой оставлю вас. Je vous dis à tantôt, à bientôt, family. Certainement, demain, je pourrai également faire un live. Hein. Ce sera quelque chose de bien. Demain, je, voilà, quand je relance un live, et puis ce sera OK. D'accord? On se capte demain sans problème. De grâce, salutations à toi. Sois la bienvenue, sois le bienvenu. Ça dépend, hein. Soit le bienvenu carrément sur le live ou la bienvenue. Eh bien, à savoir, aujourd'hui, c'est mon jour carrément. Enfin, nous sommes déjà le dé avril, carrément. Hein. C'est fut hier. Mon jour, c'est fut hier. Mon jour, c'est fut au début de ces lives. Et maintenant, là, c'est un peu galère, quoi. Nickel, grand frère, me repose bien. On est ensemble. Merci à toi, frère. Merci à toi. Et Anastasia, добро пожаловать. Тебя опять вот на вечеринка. На вечеринка, в прямом эфире. Опять добро пожаловать, ты одна только, которая, наверное, понимаешь меня на 50%, остальные на 10, на 5. Ну, за сегодня все. Я закончу. Не кончу, но закончу точно. Никель, фрэр. Eh ben, family, on se donne rendez-vous demain. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau live, hein. Certainement à 20h à côté de 21h, hein, soit 22h, et puis ce sera carré. Merci à vous d'avoir été là. Merci pour vos souhaits surtout. Et bien, tous ceux-là qui n'ont pas été informés, je suis désolé, hein. Et ben, moi, je suis une personne qui aime, on va dire, hein, j'ai envie de dire, hein, normalement, reconnaître le vrai. Le vrai, c'est-à-dire tous ceux-là qui voilà, s'en souviennent, tous ceux-là qui voilà, quoi, m'apprécient à ma juste valeur, j'ai envie de dire, tout en se remémorant un tout petit peu cette date marquante du premier, carrément. À moi, ça me fait énormément plaisir. Donc voilà, na 60%. Ah ah, y a pas de mal d'âge na 40%. Et ben voilà. Allez, passez une excellente soirée et puis une très bonne nuit. Moi, c'est vivement arrêté, juste au cas où. On se donne rendez-vous, comme je l'ai dit tantôt, demain. Eh ben, j'aimerais pas non plus me répéter parce que ça commence à faire effet, hein. Ça commence réellement à faire effet. Allez. Ciao, ciao. Santé. Ciao, ciao.